Bonjour, mon nom c'est Pasteur Jude Paris. Nous sommes à l'émission Cœur à Cœur, au cœur de la parole. Donc, l'étude que nous allons faire aujourd'hui, nous parlons de Christ et son langage. Quel est le langage que Christ utilise pour parler à son Église? Dans un premier temps, l'étude se fera en deux parties sur Christ et le langage que Christ utilise aujourd'hui pour parler à son Église. Pour commencer, nous allons plonger nos regards dans la parole aux épîtres aux Hébreux. Donc, l'épître aux Hébreux s'adresse premièrement à des chrétiens d'origine juive. Elle répond à des questions précises concernant la Torah et l'ancienne alliance. Donc, plongeons nos regards dans le livre d'Hébreux au chapitre 1er, du verset 1er à 3, et je lis pour vous. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite et à la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, nous voyons d'entrée de jeu, le livre d'Hébreux nous présente, nous fait un tableau où elle nous présente Jésus-Christ par rapport à Dieu. Qui est Jésus-Christ par rapport à Dieu? Nous pouvons le voir également dans le livre de Matthieu 3, le verset 16 à 17. Nous allons voir qui est Jésus par rapport à Dieu. Donc, Matthieu 3, le verset 16 à 17. Alléluia. Donc, nous sommes dans l'étude, à l'étude de la parole de Dieu. Donc, Matthieu 3, le verset 16 à 17. Donc, nous voyons Jésus lors de son baptême. La Bible nous dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, lors du baptême de Jésus-Christ, Dieu identifie Jésus étant que son fils bien-aimé. Jésus ne s'autoproclame pas par lui-même. Jésus ne vient pas de son propre chef, mais la voix sort du ciel, la voix vient d'en haut, et cette voix identifie Jésus étant que le Fils de Dieu. Les évangiles nous présentent également, les évangiles nous relatent encore qu'il va avoir la voix encore, va sortir du ciel et ça va être lors de la transfiguration. Quand Jésus va être sur cette montagne, la voix encore va se faire entendre. Allons-y regarder dans Luc 9, le verset 35 à 36. Luc 9, le verset 35 à 36. Donc, nous voyons lors du baptême de Jésus-Christ, une voix sort du ciel. Donc, cette voix identifie Jésus étant que le Fils bien-aimé. Et les évangiles encore nous rapportent encore que cette voix sort pour une deuxième fois du haut des cieux. Et cette voix sort lors de la montagne de la Transfiguration. Nous allons voir cela dans Luc 9, le verset 35 et 36. Donc, lors de la montagne de la Transfiguration, Jésus monte sur la montagne pour prier avec Pierre, Jean et Jacques. Avec Pierre, Jean et Jacques, il monte sur la montagne pour prier. Pendant qu'il prie, la Bible dit que l'aspect de son visage changea et son vêtement devient d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretiennent avec lui, c'était Moïse et Élie. Donc Moïse, nous savons que Moïse était le prophète qui avait reçu les tables de la loi. Et Élie était un prophète également, mais c'était un prophète réformateur de son temps. Et pendant que cette voix va se faire entendre, la voix va nous identifier encore Jésus parmi ces deux prophètes. Cette voix va nous dire, celui-ci est mon fils élu. Donc la voix qui va se faire entendre va identifier Jésus étant que le fils élu.
Et une fois que cette voix identifie Jésus comme le Fils élu, voici que Moïse n'est plus et Élie non plus ne sera pas là. Jésus va rester seul. Donc, nous voyons la première voix qui vient du ciel lors du baptême de Jésus pour dire que Jésus est le Fils bien-aimé. La deuxième fois, cette voix se fait entendre encore lors de la transfiguration sur la montagne pour dire que Jésus-Christ est le Fils élu. Et il y a un message que nous recevons, il y a un message précis qui vient et cette voix nous dit « Écoutez-le ». Cette voix nous dit « Écoutez-le parce qu'il est le Fils élu ». Donc allons-y dans le psaume 2. Allons-y dans le psaume 2. Donc, c'est un psaume messianique. Ce psaume parle du règne de l'onction et du règne de Christ. Donc, je vais lire pour vous. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Le verset 3, « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes, celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur, c'est moi qui ai oint mon roi, sur Sion ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Le verset 9, tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Alors, regardons de plus près le verset 6, 7, 8 et 9. Le verset 6 nous dit « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte ». Alors, nous savons qu'il était non seulement le Fils bien-aimé, qu'il est le Fils élu, qu'il est également le oint de l'Éternel, que Jésus est roi. Il dit « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit ». Donc la voix qui se fait entendre lors du baptême de Jésus-Christ, la voix qui se fait entendre à la montagne de la transfiguration était bel et bien la voix de Dieu. Car le psaume 2 nous dit « L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession ». La Bible dit encore dans le verset 9, « Tu les briseras avec une verge de fer ». Donc, souvenez-vous de la verge d'Aaron. Souvenez-vous de cette verge qui avait fleuri par rapport aux autres verges. Donc, la verge d'Aaron avait fleuri dans quelles circonstances? Il y avait murmure contre Moïse et contre Aaron. Donc, pour faire cesser les murmures, Dieu dit à Moïse, « Va chercher 12 verges qui va représenter les 12 tribus d'Israël. L'homme que j'aurai choisi, c'est sa verge qui fleurira. » Bien évidemment, c'était la verge d'Aaron qui avait fleuri. Alors, une fois que cette verge a fleuri, donc il y avait le choix de Dieu qui était confirmé par rapport à Aaron. Et cette verge qui avait fleuri avait donné à Aaron cette légitimité pour pouvoir exercer le sacerdoce en Israël. Donc, cette verge avait fleuri et ça avait donné cette légitimité à Aaron. Et Dieu dit dans Nombre 17, verset 10, « La verge d'Aaron fut un signe pour les enfants de la rébellion. » Donc, la verge d'Aaron a été un signe pour les enfants de la rébellion. Donc, qu'en est-il de la verge de Jésus? La verge de Jésus-Christ est un signe contre tous ceux qui contestent et tous ceux qui se rebellent contre l'autorité de Jésus-Christ.
Elle est la verge de Jésus-Christ. Elle est là pour gouverner. Donc Jésus-Christ a reçu cette verge pour gouverner. Elle a reçu cette verge pour paître les nations. Elle a reçu cette verge pour gouverner sur les rois, sur les princes. Jésus-Christ a reçu le sceptre. Cette verge n'est pas seulement terrestre, mais elle est également céleste. Car Jésus-Christ a autorité non seulement sur le prince de ce monde, sous toutes les puissances des ténèbres et également sur les démons. Allons-y également, nous allons regarder un dernier verset qui fait référence au sceptre, qui fait référence à la verge. Nous pouvons voir cela dans Genèse 49, verset 10. Donc, Genèse 49, verset 10. Donc, allons-y pour voir cela. C'était la bénédiction prophétique de Jacob avant de mourir. Donc, allons-y dans Genèse 49, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Nous savons que Jésus vient de la tribu de Judas. Donc écoutez ce qui est dit par rapport à la tribu de Judas. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Donc le sceptre, donc la royauté, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain, donc l'autorité d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Donc non seulement qu'il est son fils, il est également le oint de Dieu. Il est également roi, ce qui fait de Jésus l'héritier de toutes choses. Elle confirme son règne, sa gouvernance, son autorité et le choix de Dieu. Alors, nous allons également regarder Jésus par rapport aux anges. Donc, allons-y encore dans le livre des Hébreux. Jésus par rapport aux anges. Nous savons que Jésus est supérieur aux anges et nous allons voir ça dans Hébreux 1er, le verset 4. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que leur leur, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils ». Le verset 6, lorsqu'il l'introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et ses serviteurs une flamme de feu. Le verset 8 nous dit, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Et nous allons regarder dans le verset 13, auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, par ces passages, nous voyons que Jésus est supérieur aux anges puisqu'il est le Fils de Dieu, donc il est supérieur aux anges. C'est pourquoi que le livre de Galates 1er verset 8 nous dit « Si même un ange viendrait annoncer un autre évangile autre que ce que nous avons reçu, qu'il soit anathème, parce que c'est la parole de Christ qui domine et Jésus est supérieur aux anges. » Donc si Jésus est supérieur aux anges, Jésus est également supérieur aux prophètes. Donc cela, nous pouvons le voir dans le livre de Hébreux 3, le verset 3, 5 et 6. Donc, regardons, Jésus est supérieur à Moïse et aux prophètes de l'ancienne alliance. Allons voir ça dans le livre d'Hébreux 3, le verset 3, 5 et 6. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par rapport à quelqu'un, mais celui qui construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devrait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Alors, Moïse était serviteur, tandis que Jésus est fils sur la maison. Donc, c'est ce qui fait que Jésus est supérieur à Moïse et toutes les autres prophètes dans l'ancienne alliance. Donc,
si Jésus est le Fils de Dieu, si Jésus est supérieur aux anges, s'il est supérieur également aux prophètes de l'ancienne alliance, Jésus est également le souverain sacrificateur par excellence. Donc Jésus est un souverain sacrificateur supérieur à ceux de l'ancienne alliance. Son sacerdoce subsiste éternellement et implique l'abolition du sacerdoce lévitique. Donc nous pouvons voir cela dans le livre d'Hébreux, le chapitre Hébreux 5, versets 4 à 6. Donc je lis pour vous Hébreux 5, versets 4 à 6. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek ». Écoutez, dans l'ancienne alliance, il était impossible d'être sacrificateur et d'être roi en même temps. Alors vous pouvez donc, pour confirmer ça, nous pouvons regarder également, il y a un récit qui le confirme, c'était le roi Ozias qui est rentré dans le temple par orgueil pour offrir le parfum sur l'autel du parfum. Donc le Seigneur l'avait frappé de lèpre parce qu'il était roi et il n'avait pas ce droit. Ce droit appartenait uniquement à Aaron et à ses fils qui étaient consacrés pour le service. Mais Jésus lui-même a rempli les deux fonctions. Non seulement qu'il est sacrificateur et il est également roi. Donc Jésus ne s'est pas attribué ce titre souverain sacrificateur, mais la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, le verset 4, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron, et Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il le tient de celui qui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Alléluia. Donc, c'était notre première étude sur qui est Christ. Donc, non seulement qu'il est le Fils de Dieu, il est le roi de Dieu, il est également roi, il est également supérieur aux anges, il est également supérieur à Moïse et tout autre prophète de l'ancienne alliance, et il est également le souverain sacrificateur par excellence. Donc ce sacrifice que Jésus a fait, donc abolit tout autre sacrifice, et nul autre sacrifice est agréable à Dieu que le sacrifice que Jésus a fait, ce sacrifice qui est permanent et éternel. Donc Jésus, notre souverain sacrificateur, le Fils du Dieu très haut, celui que nous devons maintenant écouter. Donc nous avons regardé tout cela. Nous allons prendre une courte pause et nous allons retourner pour voir, pour comprendre comment que Christ parle actuellement à son Église et quels moyens de communication qu'il utilise. Donc restez avec nous et à tantôt. Merci encore d'être à l'écoute. Nous sommes à l'étude de la parole de Dieu. Nous sommes au cœur de la parole. Nous avons vu Christ. Qui est Christ? Donc, nous avons étudié la parole. Nous avons regardé selon les Saintes Écritures qui est Jésus. Donc, dans la deuxième partie de l'étude, nous voyons quels sont les moyens de communication qu'il utilise pour parler aujourd'hui à son Église. Donc, nous devons établir une chose, nous devons déjà établir une chose. Dieu utilise n'importe qui. Dieu utilise n'importe quel événement, n'importe quelle circonstance pour parler à un individu. Dieu n'est pas limité. Dieu étant souverain, Dieu peut utiliser une personne pour parler avec une autre personne. Dieu peut utiliser le temps. Dieu peut utiliser une circonstance, un événement. La Bible dit que même la nature ne nous enseigne-t-elle pas la puissance invisible de Dieu? Dieu parle tantôt d'une façon,
tantôt d'une autre. Donc, quand Dieu veut parler, il parle de toutes les façons. Laissez-moi vous raconter un petit témoignage avant d'entrer dans le vif de l'étude. Je me souviens un jour, j'ai rencontré un itinérant. Et cet itinérant que j'ai rencontré, et je suis venue pour lui apporter quelques sous, pour lui donner quelques sous. Et j'avais une certaine inquiétude dans mon cœur. Donc, une certaine prière s'était levée dans mon cœur avant de quitter ma maison. Et pendant que je m'avançais vers lui, il a commencé à chanter « Dieu fait tout ce qu'il promet en son temps ». Et il insiste, il chante, il insiste. Et il me dit « Mademoiselle, tu as écouté, as-tu entendu ? Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. » Et il chantait en son temps. Et j'ai compris que par cet itinérant, Dieu avait un message pour moi. Donc, quand je vous dis que Dieu utilise n'importe qui, Dieu peut parler à son enfant, Dieu n'est pas limité, Dieu est souverain. Donc, nous pouvons voir cela dans le livre de Job 33, versets 14 à 16. Allons-y dans le livre de Job 33, versets 14 à 16. Donc, je vous rappelle que ceux qui viennent de se joindre à nous, nous sommes à l'étude biblique, l'étude de la parole. Donc, nous allons plonger nos regards dans le livre de Job, le verset 33, le verset 14 à 16. Job 33, 14 à 16. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à leurs instructions. Donc, Dieu, en étant souverain, la Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme, bien souvent, n'y prend point garde. Il parle par des songes et par des visions nocturnes quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Donc, nous savons que Dieu peut utiliser des visions, Dieu peut utiliser des songes pour parler à son enfant. Donc, nous allons comprendre une chose, que les visions, que les songes ne bâtissent pas quelqu'un. Les visions et les songes ne nous amènent pas à cette maturité parfaite. Donc, si nous sommes encore dans les visions, dans les songes, sans quoi nous sommes encore à l'étape du lait. Nous sommes encore des enfants à l'étape du lait, dans les premiers rudiments des oracles de Dieu. Donc, pour pouvoir bâtir, pour pouvoir parler à son enfant, pour pouvoir amener un message clair et précis, nous allons voir de quelle façon que Dieu parle à ses enfants. Donc, allons-y dans 1 Corinthiens 14, le verset 6. 1 Corinthiens 14, verset 6. Donc, je vais être clair, nous savons que Dieu utilise les visions et les songes, mais pour parler à l'Église, voici de quelle façon que Dieu parle. Donc, allons-y dans 1 Corinthiens 14, verset 6. « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous, parlant en langage, si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine ?» Donc, par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine. Donc, nous voyons que c'est Paul qui parle à l'église de Corinthe et il leur dit « Quelle utilité vous serais-je si je viens uniquement à vous parler en langue, si je ne vous parlerai pas par révélation, par connaissance, par prophétie ?» ou par doctrine. Donc, lorsque Dieu veut parler à son Église, lorsque Dieu veut communiquer, donc le langage que Dieu utilise, c'est le langage de la révélation, c'est le langage de la connaissance, c'est le langage de la prophétie et c'est le langage de la doctrine. Donc, nous allons voir plus en profondeur de quel type de révélation Paul parle-t-il dans 1 Corinthiens 14, verset 6. Donc, la révélation apporte la lumière. Donc, cette révélation dont Paul parle, la révélation apporte la lumière et la vérité concernant les choses inconnues et deviennent visibles aux yeux de tous. Donc, cette révélation dont Paul parle, elle apporte la lumière. Le psaume 119, verset 5 nous dit «
le psaume 125, le psaume 119, 105, le verset 105 nous dit, ta lumière est une lampe à mes pieds, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le psaume 119, verset 30 nous dit, car la révélation de ta parole éclaire et elle donne de l'intelligence au simple. Allons-y dans le livre de Proverbes 6, verset 3. Donc, la révélation dont Paul parle, c'est la révélation de la parole, car seule la révélation de la parole éclaire et elle donne de l'intelligence au simple. Allons-y regarder dans Proverbes 6, le verset 23. Donc, Proverbes 6, verset 23. Car le sceptre est une lampe et l'enseignement est une lumière. Car le sceptre, le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Donc, il est question de la lumière de la parole de Dieu. Il est question de la révélation dans la parole. Il est question de la révélation dans la parole, car il est dit, car le précepte est une lampe et l'enseignement est une lumière. Allons-y encore dans le livre d'Éphésiens 3, le verset 3 à 5. Éphésiens 3, le verset 3 à 5. Nous allons regarder cela ensemble. Donc, pour ceux qui se joignent à nous, nous sommes dans l'étude de la parole de Dieu, le langage que Christ utilise pour parler à son Église. Donc, nous pouvons regarder tout cela. Donc, Éphésiens, le livre Éphésiens 3, le verset 3 à 5. Alors, je lis pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sous lequel je viens de vous écrire un peu de mots. En lisant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Donc, Paul parle du mystère de Christ. Donc, cette révélation qu'il a eu connaissance, c'est du mystère de Christ. De qui est Christ? Donc, il dit, vous pouvez voir en lisant mes lettres, vous pouvez voir en me lisant l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Donc, la révélation, c'est le mystère de Christ, tout simplement. Allons-y regarder au niveau de la connaissance. Qu'est-ce que Paul veut dire au niveau de la connaissance? Je vous rappelle que nous avons vu les quatre moyens de communication que Christ utilise. Nous parlons de la révélation dans la parole, nous parlons de la connaissance, nous parlons de la prophétie et nous parlons de la doctrine. Donc, quand il s'agit de la connaissance, nous pouvons voir que la connaissance peut être traduite par sagesse ou science. Donc, nous pouvons voir cette connaissance dans Luc 1er, le verset 77. Allons voir quel type de connaissance, quel genre de connaissance que Paul nous parle dans Luc 1er, le verset 77. Luc 1er, le verset 77. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Donc, quand Paul parle de la connaissance dans 1 Corinthiens 14, verset 6, il fait référence à cette connaissance qui amène le peuple à la connaissance du salut par le pardon des péchés. Donc, la connaissance dont Paul parle, elle n'est pas terrestre ou charnelle, mais c'est une connaissance spirituelle. Nous pouvons voir cela dans 2 Corinthiens 10, le verset 5. 2 Corinthiens 10, le verset 5. Allons-y, dans 2 Corinthiens 10, le verset 5. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, il s'agit de la sagesse de Dieu. Donc, nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, contre la sagesse de Dieu, contre la science de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous pouvons également aller dans Philippiens 3, le verset 8.
Donc, allons-y dans Philippiens 3, le verset 8. Donc, je vous rappelle que nous regardons également, nous sommes dans le livre de la parole de Dieu pour pouvoir connaître quels sont les types de connaissances qu'il est question dans la parole de Dieu. Donc, nous pouvons voir cela dans Philippiens 3, verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Donc je répète, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc Paul dit, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Donc, il est question de la connaissance de Jésus-Christ. Je vous rappelle que cette connaissance n'est ni terrestre ni charnelle, mais c'est une connaissance spirituelle de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Donc, nous pouvons également voir le troisième type de communication que Jésus utilise pour parler à son Église. Nous voyons, c'est la prophétie. Donc, allons voir donc ce que dit la parole au niveau de la prophétie. Dans 1 Corinthiens 14, le verset 3, la Bible nous dit que la prophétie encourage, elle exhorte et elle édifie. Celui qui prophétise communique la pensée de Dieu. Elle ne fait pas seulement prédire l'avenir, mais elle communique la pensée de Dieu. Mais elle est aussi un signe pour le non-croyant, selon 1 Corinthiens 14, le verset 24 à 25. Allons-y, nous allons le regarder. Elle est aussi un signe pour le non-croyant. Donc, nous pouvons aller dans 1 Corinthiens 14, le verset 24 à 25. Donc, celui qui prophétise communique la pensée de Dieu, mais elle est également un signe pour le non-croyant. Donc, il ne fait pas que annoncer l'avenir, mais il communique la pensée de Dieu. Il exhorte, il console également et il édifie. Donc, le verset 24 nous dit, mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc la prophétie également est un signe pour le non-croyant. Donc nous allons également voir la doctrine. Donc qu'est-ce que nous pouvons comprendre de la doctrine? La doctrine nous préserve de l'erreur. Elle nous enseigne la vérité absolue. Elle nous enseigne la vérité absolue. Par exemple, lorsqu'on parle de la doctrine de la grâce, lorsqu'on parle de la doctrine de l'élection, lorsqu'on parle de la doctrine de la justification ou du salut, tout ceci est nécessaire afin d'être un enfant de Dieu équilibré, afin de ne pas être emporté par tout vent de doctrine. Laissez-moi vous expliquer. La doctrine, lorsqu'on parle de la doctrine de la grâce, car il est dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, elle exclut totalement les œuvres, elle exclut totalement le salut par les œuvres. Donc nous voyons que c'est une doctrine, la Bible dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc nous sommes dans la doctrine de la grâce. Donc si on apporte une autre doctrine, nous venons bien évidemment d'être dans l'erreur et nous pouvons traduire d'autres personnes dans l'erreur. Donc il faut absolument que la doctrine soit préservée. Il faut absolument que la doctrine soit conservée. Nous allons voir dans cela dans 1 Corinthiens 4, le verset 1. Excusez-moi, dans 1 Timothée 4, le verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Nous sommes dans 1 Timothée 4, le verset 1. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Nous pouvons voir également, il est question que Dieu parle, Dieu lance un avertissement sévère à l'église de Pergame et de Thyatire. Nous pouvons voir cela dans Apocalypse 2, le verset 4.
Alléluia. Donc, nous allons aller dans Apocalypse 2, car Dieu lance un avertissement sévère à l'église de Pergame dans le verset 14. Il dit, « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseigne à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. » Dans le verset 15, « De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. » Donc, nous savons que Dieu parle à son peuple par le moyen de la doctrine. Donc, quand il y a une fausse doctrine, quand on vient à enseigner des fausses doctrines, alors Dieu lance un avertissement sévère, car c'est une des communications que Dieu utilise pour bâtir son peuple. C'est une des communications que Dieu utilise pour parler à son peuple. Et il lance un avertissement sévère à l'église de Pergame. Il lance également un avertissement sévère à l'église de Thyatire. Regardez ce qu'il va dire dans le verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc Dieu veut nous préserver et ce sont les quatre moyens que Dieu utilise pour parler à son peuple. Et lorsque Dieu parle à son peuple, selon Éphésiens 4, le verset 11, nous allons voir qui Dieu utilise pour parler à son peuple. Donc, dans quel cadre qu'il utilise pour parler à son peuple. Donc, allons-y dans Éphésiens 4. Donc, Éphésiens 4, le verset 11 nous dit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Donc, lorsque Dieu communique à son peuple, lorsque Dieu communique à son église, donc il communique de quatre façons, soit par révélation, soit par connaissance, soit par prophétie ou par doctrine. Il utilise également les cinq dons du ministère pour parler à son peuple. Donc, ce sont les apôtres, ce sont les prophètes, ce sont les évangélistes et ce sont également les pasteurs et les docteurs. Dieu l'a ainsi fait. Et la Bible dit, dans le verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dans le verset 14, « Afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Donc, Dieu utilise les cinq dons du ministère pour parler à l'Église et de la façon qu'il a utilisé pour parler à l'Église par ces quatre moyens de communication. Donc, le docteur, le pasteur, l'apôtre, l'évangéliste ou le prophète parlera de la part de Dieu, soit par connaissance, soit par révélation, soit par prophétie ou par doctrine. Nous pouvons également savoir que maintenant, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions avoir une pleine connaissance de qui est Jésus-Christ, que nous soyons affermis dans la foi. Mais nous avons encore, puisque Dieu parle, plusieurs faux prophètes se lèvent. Puisque Dieu parle, plusieurs faux docteurs se lèvent. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 7, verset 15, nous allons voir la dernière recommandation de Jésus-Christ. Dans Matthieu 7, le verset 15, nous voyons cette dernière recommandation de Jésus-Christ. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Donc, le Seigneur nous met en garde. Oui, le Seigneur parle. Oui, le Seigneur encore communique avec son peuple. Oui, le Seigneur utilise
ses moyens de communication pour parler à son peuple. Mais Jésus nous met en garde. Il nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Donc, quelles sont les caractéristiques des faux prophètes ou des faux docteurs? Ils ont une apparence de brebis, mais ce sont des loups. Ils sont enflés d'orgueil. Ils cherchent leur propre intérêt plutôt que celui de Christ. Ils troublent le troupeau de Dieu. Ils annoncent un autre évangile. Leurs motifs ne sont pas purs. Selon Philippiens 3, verset 2, ce sont des faux docteurs. Ils ont des discours séduisants. Ils s'appuient non sur Christ, mais plutôt sur leur philosophie, sous de vaines tromperies, par des traditions humaines. Ils enseignent des fables et ils sont détournés de la vérité. Donc, vous pouvez voir cela encore dans toute l'épître le Nouveau Testament. Vous pouvez voir tous ces avertissements que les autres apôtres vont nous avertir par rapport aux faux docteurs. Donc, si vous voulez bien connaître la doctrine, si vous voulez bien connaître qu'est-ce que Dieu dit dans la doctrine, donc vous pouvez aller dans le livre de Romains, jusque dans les livres de Jude, vous allez connaître très bien la doctrine. Et maintenant, si vous voulez savoir qu'est-ce que ces docteurs enseignent, la Bible dit, nous reconnaîtrons un arbre par son fruit. Donc, le faux docteur, il enseigne quoi? Est-ce qu'il, pour reconnaître son enseignement, nous allons voir qu'est-ce qu'il peut enseigner pour mieux comprendre est-ce que ça vient de Dieu. Donc, premièrement, est-ce que cette personne enseigne que Jésus est Dieu? S'il n'enseigne pas que Jésus est Dieu, gardez-vous de cette personne. Est-ce qu'il enseigne que la Bible est l'autorité finale ou de la parole de Dieu? Est-ce qu'il propose un autre avenue ou bien se proclame-t-il égal à Jésus-Christ? Cette personne, est-ce qu'elle nous encourage à une vie d'obéissance et de sainteté? Donc, nous devons reconnaître l'arbre par son fruit, par ce qu'il enseigne, par ce qu'il professe. Est-ce que cette personne est crédible? Oui, Jésus parle, mais nous devons maintenant avoir l'œil ouvert pour savoir maintenant qu'est-ce qu'il enseigne. Est-ce qu'il est vraiment dans cette pensée que de la parole de Dieu? Est-ce qu'il proclame Christ? Est-ce qu'il parle de Christ ou bien il parle de lui-même? Donc, vous reconnaîtrez l'arbre par son fruit. Alors, c'était tout pour cette étude aujourd'hui. Donc, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez connaître quelle est la profondeur qui s'attache à votre appel et que vous puissiez écouter maintenant la voix du Fils élu, car il a été établi Fils et il est le héritier, le seul héritier, et en dehors de Jésus, il n'y a point d'autre personne. Jésus est le seul, celui que Dieu a utilisé, celui que Dieu s'est révélé dans les derniers temps pour parler au monde entier. C'est Jésus-Christ. Comme la voix nous a exhorté, aujourd'hui je vous exhorte à écouter seulement Jésus-Christ et uniquement Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir été parmi nous. Et je vous dis à une autre étude de la parole de Dieu. Nous sommes au cœur de la parole. Que Dieu vous bénisse.